Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Samuel. Alors salut Guntivet3, Corioz, Nolalo, comment allez-vous? Foot de rue, j'imagine que tu parles de la musique d'attente quand je lance mes lives. Donc voilà, ce soir je dédicace ce live au fétichiste du pied. Voilà. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Achiwash. Et vous allez voir, il y a un pied géant qui va apparaître et je vais devoir en faire l'entretien. Ok, je vois que lancer le live, plus ce que j'ai mis en... Comment dire? Aidez-moi. En upscale, là, ça fait beaucoup. Attendez, je vais réduire, parce que sinon, ça va pas être terrible pour vous, pour le live, parce que ça manque de fluidité, je pense. Ou quoique, attendez, je vais tenter autre chose. Hop, on va juste désactiver la reprojection. Ça devrait aller comme ça. Ta 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 ta. Pouf. Alors, tac. Tac. Bon, c'est... Oui? À part ça, Cutie, tu es sur mon live? Bah si. Le son du jeu est bien audible? Attends, je vais monter le son. Ah, d'accord, voilà, vous l'avez compris. Je suis sur le canal vocal également de mon serveur Discord en compagnie de Cutie Cake. Voilà, si vous-même d'ailleurs êtes présent sur mon serveur, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Hein. On est sur le canal vocal public. Alors, Cutie? Le jeu? Le son du jeu a l'air un peu bas, mais ça devrait aller. D'accord. Bon, après, il faudra voir pendant le jeu, parce que ça, c'est que le son du menu. Ah, par contre, oui, ça manque de fluidité, je trouve. Je sais pas pour vous. Un petit peu. Bon, attendez, je vais juste réduire. Hop. Ça. Hop, paramètres. Du coup, je crois que vous me voyez faire. Enfin, vous voyez mon écran, là, quand je fais ça, non? Non. Ah, d'accord, vous me voyez pas dans mon menu Steam. Ok. Ah, mais si, si, Ah si. bah oui, voilà. Donc comme tu vois, je suis à 150% et bon, vu la dalle là, du Quest 2, bon bah voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. On va réduire du coup un petit peu pour le live. On va le mettre, allez, à 130. Alors le problème, c'est qu'en fait, il va pratiquement se caler là. C'est ce que propose le mode automatique. Allez, on laisse comme ça, c'est bien. Hop. Voilà, c'est mieux pour moi. Je sais pas vous si vous voyez une différence, moi oui. Bon. Alors, les settings. Ah, le jeu est magnifique. Hein. J'ai mis ride, attention. Retourne to main menu. Je sais pas, j'imagine que c'est ça le main menu, non? Non. Attention, j'ai le bouton pour le fermer à la tablette. Voilà. Alors, le son est bien, mais Corios. T'as vu, Cutie? Et Nolalo est d'accord. Par contre, Nolalo, si tu mets Quentin Tarantino pour la musique d'attente quand je lance mes lives, j'arrive vraiment pas à savoir par rapport à quel. Comment? À quel film tu fais référence, que je suis un très grand fan de Quentin Tarantino, et... Alors là, vraiment, je vois pas. Alors, je vois que j'ai une tapette à mouche. Alors, il faut savoir que le jeu, j'y ai pas encore joué jusque-là. Hein. Là, c'est... Attendez, c'est quel bouton déjà? Ok, d'accord. Donc c'est le grab... Ah. J'ai préféré la gâchette au milieu de la manette pour l'attraper. Et attendez, j'ai vu que je pouvais me TP. C'est avec la gâchette du haut. Oh punaise, je vais m'emmêler les pinceaux avec ça, je me connais. Ah, je peux déjà me balader dans la pièce, dans le menu. Ah, mais pas partout. D'accord. Juste là. Bon. Ah, bah, les contrôles. Hop. Alors. Ah, bah oui, évidemment, on utilise toutes ces manettes là. Je peux le tourner? Ou non? Ah, si. Bah, ouais, on s'en fiche des Valvadex. C'est pour ceux qui aiment gaspiller leur argent. Allez, hop. Dans le cheminée. Ah, score. Comme ça? Ouais, en fait, play. Et kit, c'est les mouches. C'est comme ça qu'on fait pour lancer, attends. Putain, oui. Ok. Ah, bah merci pour les bits, Guntivet3, c'est très gentil. Beaucoup les pieds dans ces films. Ah, bon, j'avais pas pensé à ça. Alors, oui, voilà. Ok. Ouais. Hop, bon bah j'imagine qu'il faut se débarrasser des mouches. C'est dégueulasse. Alors pour ceux qui sont pas au courant, faut savoir que moi je suis quelqu'un dont les pieds ça dégoûte. Mais vraiment. Je sais pas comment des gens peuvent fantasmer sur des pieds. Allez, donne un bisou. Ah allez. Aïe.
Et en fait, Cutie m'avait fait remarquer, je l'ignorais, que le jeu existait d'abord en desktop avant de d'exister en VR. Je trouve ça nul de jouer autrement qu'en VR. Par contre, faut faire quoi? Bah oui, mais comment? Attends, merde! Tu dois trouver les ustensiles dans la maison. Non, sérieux? Oui. En tout cas, c'est comme ça que la dernière fois que j'ai regardé. Donc. Ok. C'est... Ah, je vois quelque chose là-bas. Hop. Oh putain, je devine déjà ce que je vais devoir faire. Attends, y'a quoi là-bas? Une mouche. Ok, c'est une de celles que j'ai abattues. Et... Oh non, je vais devoir utiliser ça sur un pied. Attends, on va d'abord s'occuper des ongles. Mais y'a pas une limite de temps dans ce que je fais? Oui, il devrait. Attends, comment ça? Non? Putain, je suis en train de marcher sur mon câble. Bah alors? Ça veut pas? Better hurry up, you schmuck. I'm getting impatient over here. Merde. Ah! Seigneur! Oh bah! J'aurais dû voir ma place! Mais attends, mais. Pourquoi les cousombes ils veulent pas se couper? C'est... Peut-être ça? C'est pas ce que tu dois faire pour l'instant. En premier? D'accord. Ah bah évidemment, il y a un ordre. C'est la finition, évidemment. Oh! J'ai le Phantom Sense! Oh! Bon. Ah, hop! Y'a rien d'autre qui traîne ici? Non. Ouais, non. Non, pas ça, ça? Bah non plus? Bah merde! Ça, c'est. Pour, time. Okay. Bon, écoute, je le mets là en attendant. Peut-être là? Vous ouvrez la porte? Non? Je peux changer la musique en fait? Je crois en plus, attends. Donc normalement ça devrait, on est d'accord. Mm-hmm. Attends, et ça c'est quoi? Oh bah je crois que c'est ça qu'il faut faire peut-être. Oh bah oui, il faut peut-être désinfecter en premier. Oh putain. Ah oui voilà, regarde, les champignons. Ça non? Oh y'a un ordre. Donc les champignons, après les mouches. Oh putain, y'a une limite de temps je crois. We need to have c'est ce que j'ai envie de dire. Bah, elle est où la limite de temps? Eh merde. Bon bah. Oh putain. Oh. Écœurant. Ok, j'ai réussi à foirer le niveau 1. Pas terrible ça, hein? High score. Oui, triste. Hmm? C'est eux qui en jugent pas. Nice job, in kid. Comment, Cutie? On te juge pas. Juste un petit peu. Ah ouais. Mmh. Allez. Oui, oui, allez. Alors, il y avait une mouche ici tout à l'heure. Ah d'accord, elles apparaissent pas au même endroit. De toute façon, c'est où l'espèce de caca? Mais c'est ça, c'est de la merde en fait sur les pieds. Nya 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 nya. Alors tout à l'heure, voilà, j'ai dû attaquer ça. Vite. Alors. Hmm. Là. Et en fait, ça apparaît pas au même endroit. Mais. Bah, tu vois bien. Tout à l'heure, il y avait des champignons de l'autre côté. Ah. Hop là. Mais dans ses paroles là, il dit pas ce qu'il faut faire dans quel ordre. Bon allez, j'imagine ça maintenant, non? Et toi, Cutie, t'avais déjà vu des let's play, c'est ça? Oui. D'accord, ça peut-être. Ah, d'accord. Mm-hmm. Hop. Comment ça va être? Ah bah, imagine-toi à ma place, toi t'es en train de regarder sur ton écran. Moi j'ai ce truc-là dégueulasse sous mon nez. Alors, j'arrive pas à casser. Ça vibre. Bah alors? Bah, c'est quoi ce bordel? Le jeu est bugué? Bon. Attends, y'a quoi d'autre comme accessoire? Ouais. Alors. Y'avait ça. Attends, faut pas que je coupe ça avec quand même. Non. Et toi qui dis, tu te souviens pas quels accessoires il faut? Non, ça fait longtemps.
Mais il bugue le jeu ou quoi? Bah attends, c'est quoi ce bordel? Attends, les accessoires, y'a quoi d'autre qui traîne ici? C'est quoi ce truc? Des allumettes? Hein? Bah, je fais quoi alors? Comme ça? Peut-être pour couler les deux, je sais pas. Bah, j'en sais rien, attends, le feu. Ouais, sur lui? Bah, je sais pas, attends. C'est pas ça? Faut même pas brûler les. Attends. Ça? J'en sais rien, moi! Ah, je sais pas, les allumettes, t'as vu que c'est pas aussi allumé le feu de cheminée? Bon. Attends, y'a quoi d'autre qui traîne dans la pièce? Putain, pourtant y'a pas tant de choses que ça! Attends, le canapé me bloque, je peux pas ouvrir les portes, on avait vu? Non? Putain, la musique elle accélère, je crois que j'ai dans le cul. Vite! Y'a rien sur les sièges? Genre... Oh, mais punaise! Mais il est buggé le jeu, il reste encore un truc! Oh! Hein? Ok, il a pas l'air d'accord. Ah. Attends. Attends, les pieds sont tous différents, c'est ça qui les rend si attirants. Comme le visage en fait. Il y a deuxième étage, l'escalier. Bah, deuxième étage! Vous avez pas vu? Je peux pas monter à cause du canapé. Le canapé m'empêche de monter, après peut-être plus tard dans le jeu. Ah, ils sont peut-être en train de me cracher le morceau, que c'est les prochains niveaux après. Que quoi, Cutie? Comment? Attends, hop! Tu vois, ça commence à bien faire! Téléporte, nanana. Okay. Ouais, allez plus vite. Punaise! Je suis quand même pas resté là, quoi, c'est le premier niveau! Et les mouches, elles parlent, bien sûr! Aïe! Say goodbye, flies! Hop là! Alors, maintenant, hop, le fongicide. C'est pour les champignons, hein, fongicide, putain. Ah, d'accord. Mais je m'en doutais. Oh merde, oh le con, j'appuie pas sur les bons boutons. Hop. Ouais. You know, I'm a pretty fun guy. Alors, où maintenant? De l'autre côté. I swear, if you don't move any faster, I'm gonna turn your... Ouais, faster. Voilà, ça a l'air d'être bon de ce côté-là. Hop. Vite, la pioche. Ce qui m'inquiète déjà, c'est que... Hop, j'arrivais pas à utiliser la sécateur pour couper les ongles. Peut-être que c'est la fin. Bah ouais, donc il y a un ordre à respecter. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure... Non, j'ai eu le même problème que tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, il voulait pas prendre en compte quand je tapais. Regarde, tu te rappelles que tout à l'heure, il y a des moments où ça marchait, ça? Le jeu est bugué. Pourtant, j'entends les vibrations. Mais alors? Pourquoi ça marchait tout à l'heure et pas là? Je sens la vibration quand je tape. Bah oui, allez. Ou alors faut me mettre à deux mains? Non, parce que ça va me téléporter sinon. Attends. Watch N, non. Je crois qu'il y a une couille avec le jeu, c'est pas possible. Parce que tout à l'heure, vous avez vu que ça fonctionnait quand je tapais là-dedans. Mm-hmm. Attends, faut pas encore utiliser ça, genre pour désinfecter préalablement. Merde. Ah. Non, ça fait rien. Ouais, le time. Mais y'a pas un endroit dans la pièce où ça dit dans quel ordre je suis censé faire ce que je fais? C'est peut-être ça le souci, non? Parce que là, déjà, ça pour moi, c'est pour brûler, on est d'accord, les... Ça, là, non? Mm-hmm. J'aurais dit, ouais. Oh, mais mec! Là, c'est 4 heures, là? Après, j'aurais besoin de tout faire, mais bon... Pourquoi y'a un ordre? Ça veut pas. Mais le jeu, allez. Pourquoi ça veut pas? Ça s'accélère. Oh, you call this clean? We need to have a little
Non. Now I gotta smash your house up. On va pas y arriver. Ah, demain la piège. Maintenant j'ai tenté de. Ah, putain. D'appuyer sur la touche pour attraper les choses, pour le tenir à demain, ça a pas marché. Sur les gros trucs noirs. Utiliser la pioche sur les gros trucs noirs. Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Sur lesquels tourner les mouches. Attendez, je vais faire un truc, c'est que je vais relancer le jeu, je vois que ça. Je trouve ça bizarre, peut-être qu'il y a eu un bug au démarrage tout à l'heure, parce que... Vous avez vu, tout à l'heure, j'utilisais la pioche, ça fonctionnait. Attendez, oui, ça serait bien de regarder aussi. Téléporte... Bon, en tout cas, c'est pas le fait que j'utilise pas les mêmes... comment... Pas là, les mêmes manettes, parce que... Voilà, quoi, j'arrive à prendre les objets, c'est que du contact, normalement. Bah oui, regardez, vous avez vu, pour tourner, blabla, bouton menu, téléportation, et attraper. Donc, y'a rien d'autre quoi. Enfin, attendez, je sais pas trop, y'a d'autres pages. Non, c'est la même chose après. Ouais, là. Je le fais pas dire. Y'a rien d'écrit, non. Je suis en train de me dire en fait que la musique est peut-être licencée, que la vidéo pourra pas rester sur YouTube. Mais ça mérite en plus, c'est une musique connue ça qu'on entend. Bon, attendez, on va tenter un truc, si je vais relancer le jeu, quoi. Peut-être qu'il y a un bug au démarrage. Voilà, quitte. Tac. Alors, hop, il est où mon point exé? Nanana, tac. En fait, con, j'aurais peut-être dû essayer le jeu avant de me dire les chats live dessus. Mm-hmm. Bah oui, mais bon, c'est quand même plus glamour, quoi, que les gens découvrent en même temps que moi. Et puis, quand même, le titre, il commence à dater. Comment il peut être bugué? Hop là. Attends, hop. T'es en train de faire quoi, Cutie? Un modèle 3D. Oui, je me disais bien que t'étais pas à 100% sur mon live. Non, je le vois sur le côté. Ok, là c'est bon, le jeu ne voit pas rempart pour vous, ça marche? Un sèche-cheveux, non? Les trucs jaunes avant. Bah je sais pas, Guntivé, tu vois où un sèche-cheveux aussi? Parce que j'avais bien regardé autour de la pièce, j'avais tout, hein. Après, si t'arrives à voir sur une autre vidéo sur internet ce que j'ai raté, là concrètement, ce que j'avais réussi à voir, j'avais la tapette à mouche tapée sur les mouches, l'espèce de crotte là qu'il y avait sur ses pieds autour duquel il tournait, j'avais utilisé, alors ça paraissait là-bas, le fongicide. T'as là-bas contre la rambarde la pioche, alors la pioche bah, c'est justement faire tomber le caca. Les allumettes étaient ici près de la cheminée, bon pour moi ça semblait logique que c'était pour brûler les verrues. Il se passait rien. Et après, bah, l'insécateur. Voilà, ça c'est évidemment les ongles. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il faut un ordre. Pourquoi il faudrait un ordre pour ça? Bah quoi, c'est vrai? Allez. Aïe! Ouais. Allez, on y va? En fait, c'est le pied qui part, la façon qu'il bouge. Aïe! Mais putain, arrête de bouger! Il n'y a plus de mouches, hein, d'accord? Ok. Donc. Putain, ça tombe, c'est là le canapé là-bas qui a un truc qui traîne. Attends, on va d'abord faire la pioche. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Non, là ça veut pas non plus. Tout à l'heure ça marchait? Ah, il y a encore un champignon! C'est vrai que tout à l'heure c'était d'abord ça en premier. Mais il nous dit pas le mec quand il parle avec le pied, en quelle heure je dois faire. C'est peut-être les desiderata. Ok, j'aurais dû mettre les sous-titres, j'ai du mal à entendre, le son est pas assez fort du jeu. Ok, par contre j'ai mis où? Ah, attendez, je vais vérifier, j'avais dit des canapés là-bas. Non, rien. Alors, on va récupérer la pioche. Non, ça veut plus. Pourquoi? Tout à l'heure, ça marchait. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai tapé comme ça? Attendez, y'a vraiment pas un autre truc où je peux l'attraper comme ça autrement? Bah ouais, mais... Oh, bordel! Et je sens les vibrations, mais... Ce qui est perturbant, c'est que tout à l'heure, ça faisait quelque chose quand je tapais.
Attendez, je tape peut-être pas assez fort. Non. Tatatat. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? La sécateur, ça voulait pas non plus. Mais je suis venu. Ouais, mais j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Oh, ça on peut pas couper non plus, on est d'accord. Ouais, le time, t'es marrant, dis. Y'a rien qui marche sur toi. J'arrive pas à le prendre. Y'a pas demandé que je change la musique, que j'ai pas fait gaffe. Ça m'étonnerait. Non. Non. J'essaye tout. Allez, change la musique. Hein? Ah, c'est la même? Ok. Ouais, bon, bah, ça s'accélère, c'est mort. Attendez, je vérifie vite fait ce qu'il y a d'autre que j'aurais oublié. Attendez, la canapé, j'avais fié, ça aussi. Mais bon, moi, j'avais tout visité, on est d'accord? C'est quoi ce bordel? Ouais, badabing! Compliqué, mais carrément. Oh. Et ton sèche-cheveux, Gunty, je sais pas où il est, hein. Peut-être que t'as vu ça sur internet, que c'est sur un autre niveau. Attendez, je l'envoie sur Highscore. Prospectus, ouais. On envoie la tapette, la pioche. Ouais, Nigel Kid, j'aimerais bien. Cutie, j'aimerais bien que tu vérifies mon truc. Ce qu'il faut faire. Je peux mettre autre écrit dans mon serveur. Ouais, mais ça, c'est secondaire, hein, le live. Cutie. Oh non, Cutie. T'es où? J'entends plus. Cutie. Ok, je crois qu'elle a coupé le son. Alors, ceux qui sont sur mon live, si vous pouvez jeter un coup d'œil sur internet et regarder ce que j'ai mal fait. Parce que là, ça me perturbe. Surtout que tout à l'heure, la pioche, elle marchait. C'est ça qui m'énerve. Pourquoi ça veut pas? Attendez, je vais mettre les sous-titres apparents. Je vais peut-être zapper quelque chose qui me disait. Video setting. Nanana. Game setting. Watch on video setting. Mais attendez, j'avais vu pourtant qu'il m'a proposé les sous-titres. Ok, donc je disais, si vous regardez sur internet. Retourne to main menu. Main menu. C'est pas ça, main menu? Ok, ouais. Ouais, si vous regardez donc sur internet ce que j'ai raté, comment? Attendez, comment je regarde? Bah ouais. T'as vu une porte ouverte sur le trailer, Megan TV? Ouais, mais Megan TV sur le trailer, je veux bien, parce que là, tu vois bien que non. Mais justement, est-ce que c'est pas au fur et à mesure que je vais les pieds, que du coup, il y a d'autres zones de la maison là qui deviendra accessible, que je pourrais faire? C'est peut-être ça, hein. Bon. Après, j'ai pas vérifié, je me demande si la version VR viendrait pas d'être publiée, qu'en fait, il serait buggé. Ça serait con. Oui, ça serait très con. Parce que bon, le jeu est assez vieux, mais dans sa version, entre guillemets, normale, à la souris. Alors, bon. Les vidéos que je trouve, c'est sur l'ancienne version. Eh ben voyons, oui, bon, on regarde quand même comment les mecs ils font, ce qu'ils utilisent. Et dans quel ordre? Par contre, c'est marrant, tout à l'heure il me semblait que j'avais vu pouvoir afficher les sous-titres. Ça doit être quand le jeu est lancé alors que je veux le faire. Getting, ouais, ça on s'en fiche. Bah ouais, bon, bah. Check. Ok, bon. Il y a rien de ce que je peux faire. M'énerve. Perfectionne. Poster du jeu pas fini. Hein? Poster un jeu pas fini. C'est pas le genre des devs. Mais bien sûr, Unity. Ah, PC Master Race, lol. Oups. Ah, c'est heureusement qu'il apparaît là. Alors, Cutie? Ouais, pour l'instant, il y a. Oui? Pas vraiment de trucs à faire. C'est juste. Bah, tu vois très bien ce qu'ils font, mais dans quel ordre? Bah, il fait le truc vert en premier. Il fait quoi en premier? Bah, le truc vert avec les mouches. Oui. Taper ta mouche. Ouais. Ils font la pioche. Oui, alors que tout à l'heure la pioche elle marchait, mais t'as vu qu'après elle déconnait. Ouais. Donc y'a bien un bug. Ouais, y'a un bug. Ok, bon, bah, je réessaye. Ça me chagrine quand même d'avorter à live, tout ça pour ça. Surtout après le coup de chill-out de VR. Ça commence à faire beaucoup. Hop. Attends, Cutie, écoute ce qu'il dit le pied, on sait jamais. Peut-être que je fais pas attention à quelque chose quand il parle. Me. 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 Me.
Tab. Bah, il est pas vraiment grand chose le pied. Hein? Bah, là c'est. Non, c'est quand je termine une tâche, regarde, t'as vu? Say goodbye. Ouais, bon, ok, rien de spécial. Attends, hop, moi j'ai un décalage, j'oublie pas. D'accord, attends. Tout à l'heure c'était la pioche que j'avais fait avoir le truc vert. Peut-être qu'il y a un problème, qu'il y a un bug selon, on va dire, l'ordre dans lequel je fais les trucs. Bon, bah, j'ai ça du coup. Tant qu'à faire, je récupère déjà la sécateur, ça serait bien. Hop. Ça veut pas non plus. Ça commence bien. Bon bah, on va laisser là. On va d'abord faire le fongicide. J'espère que cette fois-ci ça va le faire. Merde. Ok, je suis même pas assez prêt pour ça, c'est ça? C'est ça, faut être à côté. On est d'accord, ça c'est... ça n'a rien à voir, c'est pas ça qui va... Ouais. Non, la musique elle accélère déjà, c'est une blague. Ouais, il est pas patient. Bah merde! Le manche peut-être? On met tout? Pourtant je sens la vibration, ça qui m'énerve! Tac 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 tac. On entend plus de hargne. Petit. Tac tac tac. Mais pourquoi ça merde comme ça? Tout à l'heure ça marchait bien. Et j'ai beau redémarrer le jeu, ça change rien. C'était quand même pas parce que j'avais changé la musique tout à l'heure, attends. Ça serait un peu con. Merde. J'ai relancé le même. Ah mais laissez-moi le... Oh, j'avais pas le retirer. C'est ça, il y a peut-être une musique un peu plus douce. Je rigole que c'est bêtement ça. Oh, je peux pas, ça m'énerve. Je vais pleurer. Oh bordel, et ça marche pas non plus avec ça. Oh merde, parce que ça, je pense qu'on est d'accord, c'était évident que c'était pour brûler des verrues. Oh, you call this clean? Oh bordel de. Vous me sentez le rage kit? Ouais, bah d'habille. Them's the rules. Bon bah écoutez, on va relancer le jeu en mode non VR, je crois, j'espère que ça va marcher. Ça me chagrine, j'aurais voulu vraiment le faire en VR jusqu'au bout. Mais bon, là, c'est pareil, je me fais troller. Attends. On peut pas bouger puisque le carré là, quand on est pas en jeu, c'est con. Je voulais regarder les cadres de près. Attends, tac. Non mais ça, c'est la perfection. Special thanks, ouais. Ouais. En fait, non, c'est pas ce que je me disais. Le jeu, c'est depuis 2010. Attends, 98 Attends, copyright 98-2018. Attends, t'es en train de me dire que le jeu de base, non VR, daterait de 2018 de 1998? Non, je crois pas. D'accord, il y a des devs qui dépêchent pour être les premiers. Ouais, on dirait bien. Alors, attendez. On va basculer en mode non VR. Allez, go. Bah alors. Ça tombe, c'est une mise à jour malheureuse. Bah alors. C'est quoi? J'arrive même pas à l'attraper. Pourquoi il clignote le truc? Attends, je suis en train de réfléchir. Pourquoi ça... Non mais, c'est une blague? Attends, j'arrive pourtant à me déplacer et tout, ouais. J'arrive plus à attraper la tapette. En fait, il y a vraiment un bug dans le jeu. Et pourquoi il clignote comme ça? Attends, je suis en train de me demander. C'est pas bêtement parce qu'il y a mon logiciel... Ah, ça m'étonnerait, parce que j'ai mon programme en fait qui met en avant-plan mon chat là pour l'avoir dans la main. Et c'est vrai que déjà pour avoir la musique, je suis obligé d'avoir en avant-plan le la fenêtre du jeu. Il y aurait un bug peut-être entre les deux programmes. Ouais, bon, à l'intérieur pourtant ça rentre bien en contact. Il y a collision, ça devrait marcher. Attendez. Je regarde si je touche à mon ordi. Hop. Thank you.
Mmh. Ouais, non, le truc il bug bien. C'est bon. Super le jeu. Carrément. Du coup, je peux même pas attraper le truc là pour dire de. Alors, j'arrive pourtant à faire ça là, regarde. J'attrape les trucs, mais pas lui. Ah si, ça y est, c'est bon. Ah, bon bah. Allez, je relance en VR. Hop. Je vous mets juste l'écran post-café, le temps que j'alterne du coup mes sorties audio et bien évidemment que je modifie l'écran de capture. A tout de suite les gars. Alt F4 Melo Lalo, oui carrément. Surtout, surtout ne partez pas les mecs, ça prendra 2 minutes à tout casser, je fais très vite. Me voilà de retour. Bon, j'ai pas eu le choix que de passer cet écran de transition tout nouveau et pour faire reconnaître le jeu. Alors, hop, Ashiwash. Ok, normalement ça devrait le faire. Oui, magnifique. Alors, pouf. Re les gars.
Bon, voilà, je te raconte les petits cakes. Alors cette fois-ci, je peux jouer à la manette. C'est frustrant après avoir joué en VR. Toujours en compagnie de petits cakes. Sinon, pour vous qui êtes sur le live, parce que bon, là maintenant tout ça est très cavalier. Est-ce que pour vous, le son du jeu, ma voix, tout va bien? Par contre, c'est vrai que le son du jeu est pas fort, hein. Je l'entends, c'est pas énorme. Alors. Bon. Alors, la manette, use tool, ok. Donc, ça va être la gâchette droite pour attraper. Crouch. D'accord, donc ça c'est. Non, ça va être celle de gauche pour attraper et celle de droite pour utiliser les mouvements. Regardez. Sauter, bah bon, oui. Bon, après, c'est vrai qu'en VR, je pouvais sauter de moi-même de chez moi. T'es bien sur le live, Cutie? Le son, l'image, tout va bien? L'image, ça va, et le son, ça a l'air d'aller. D'accord, drop tool, ok. Bon bah, écoutez. On y croit? C'est la bonne? Mm-hmm. Oui, go! I'm a big nasty foot in your house. Guess what? If ouais, you ouais, ouais, plus vite. Ok, du coup, j'avance comme ça. Oh putain, ça fait drôle. Mais du coup, elle est où, la tapette? Hein? Ah oui? Ah, du coup, la cuisine est accessible? Ah oui, d'accord, en fait, le jeu est vraiment différent sur les versions. Là, on a la cuisine, et on voit le compteur de temps, en plus. Eh, mais du coup, les objets sont pas au même endroit? Ah ah! Oui, t'as 2 minutes. Non, comment je fais? Je vais attraper. Comme ça? Comme ça? Bah alors? Non, ça s'est sauté? Quel bouton? Non, non, non. Attends, c'est mon jeu qui est bugué là ou quoi? Ok, Doc. Là, ça marche, voilà. Donc, on est d'accord. À l'étage, mes guns tivés. Attends. Que je vois que... Ah oui, c'est vrai, mais ça, je vois que l'étage est accessible. En fait, le jeu est plus complet en VR. Allez, plus vite! Descends ton pied! Ah, mais c'est dingue ça, en fait, la version VR, c'est une version light buggée. C'est pour ça que je peux céder! Mais comment les gens font pour être fétichistes des pieds? On peut pas monter sur le pied quand même! En fait, si, je crois qu'on peut monter sur le pied, attends. Je crois que via les escaliers, tu devrais pouvoir sauter. D'accord! Ok, il y a même une pièce là-haut. Putain, c'est ça. Hurry up, you schmuck. I'm getting impatient over here. Not too scabby, huh? Ok, donc là c'est bon. Bon, hop. Alors, maintenant les autres trucs. Y a quoi d'autre comme accessoire? Vite. Ah oui, là, faut vraiment aller dans la maison pour les trouver. Attends. Ok. La tapette à mouche. Putain. C'est ce bouton-là. Ok. Merde, non. Mais putain. Oh, bordel de merde. Je fais comment pour attraper les mouches à temps? C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça à la manette plutôt qu'au clavier souris. Bon, attends, je me dis que les mouches vont peut-être partir avec comment? Le fongicide. Attends. Putain, allez, c'est où? Non, rien dans le placard. Et en plus ça je panique, je vois le temps en haut. De toute façon là je pense que la partie c'est déjà foutu hein. Attends, j'avais les mouches, j'ai des mouches. Y'a rien à l'intérieur. En fait, j'avais tout vu ici. C'est quoi ce bordel? C'est quoi que j'ai raté en fait? Attends, y'a la pioche. La cuisine. Ok, y'avait encore la buanderie. Y'a quoi dans la buanderie que j'ai pu rater? Ah merde! Tant qu'il défile, tant qu'il défile. Oh! Non! Par contre, j'ai pas été dans la pièce à l'arrière. Oh bordel! Ok, bon appétit, nos Lalo! Pas craqué, décontracté. Et là, je suis en train de me rendre compte en fait que ça doit être moins chiant au clavier souris, mais par contre, bah oui, bon, là c'est WASD, c'est pour un clavier anglais. Pas terrible. Après, dans Windows, je vais me dire, je peux le convertir. Ah, ce que tu vois, après, j'ai juste à utiliser les clics de souris. Ça irait peut-être mieux. On va faire ça à la manette. Attendez, hop, je modifie. Voilà. Alors, pour ceux qui l'ignorent, on peut modifier les touches de notre clavier simplement en ouvrant Windows et en mettant, vous savez, en bas à droite, il y a écrit FRA.
Et vous mettez ONG. Ça fait un clavier anglais. Et en fait, c'est comme si vous aviez un QWERTY. En fait, bah le... Normalement, vous voyez, le W, normalement, c'est votre touche Z. Donc Z, donc ASD, bah en fait, c'est QSD pour nous. Voilà, parce que là, à mon avis, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Alors, hop. Tac. Alors, il y a des produits en hauteur dans la buanderie. Ok, je te remercie, Gunty. Toi, t'as regardé sur Internet entre deux, et je pense que ça va être utile. Par contre, on va mettre des sous-titres. Je savais que j'avais qu'il y avait une page comme ça, là, que j'arrivais pas à trouver tout à l'heure, quand j'étais... par contre, contrôleur IM assist. Je me demande si c'est pas ça, en fait, qui a fait bugger la version VR. J'étais sur QWERTY. QWERTY, y a un vrai clavier QWERTY. Bon, main menu. Yes. Allez, on lance. C'est parti. Putain, intérêt à ce que ça marche, parce que là, je commence vraiment, vraiment à péter à table. Big nasty foot in Allez. Your house. Guess what? It's your day to clean me. Get cracking. Ouais, ouais, allez plus vite. Ok, là ça marche. Looks like you dropped something. Attends. Putain, mais du coup, je suis en stress là. Ok, okay la pioche. So you got a pickaxe, huh? Well, now you gotta pick these scabs. Mais du coup, c'est quoi pour sauter? Ok, c'est logique. Ok. Alors, je suis très très mauvais au clavier souris. C'est ce que je déteste. Et merde, ouais bah voilà. Ah ça sent le rush kit. Ok. Tu vas y arriver. Hein? Oh merde. Tu sais, en fait je crois que le mieux c'est de sauter de face bêtement. Ok. Ouais mais... Oh non, en fait c'est carrément moins contrôlable qu'en manette. Enfin, dis-moi pour quelqu'un comme moi. Mais oui, mais en fait, c'est un savon. Un savon, le mec. Allez, baisse ton pied, baisse ton pied. Putain, le minuteur, le minuteur, le minuteur. Bon allez. Ton pied, comme ça. Oh merde. I-ho all you want. Just get these freaking scabs. Oh bordel, le problème c'est que j'arrive pas en fait de cliquer sur la fenêtre. Attendez. On va aller voir comment c'est en haut, hop. Attends, les autres pièces que j'ai pas fait tout à l'heure, y'a quoi? Oh mais putain, en fait y'a toute la maison! Y'a toute la maison! Ok, ça je peux pas l'ouvrir. Attends. Déjà y'a ses cheveux. C'est ce qu'il disait tout à l'heure en fait? Y'a vraiment ses cheveux! Et j'avais pas accès tout à l'heure en vert. En fait je préfère le jeu en vert. Mais j'utilise comment? Ça fait quoi ses cheveux là-dessus? J'ai cramé quoi avec? Putain! Bon, on avait parlé des produits à buanderie. Ça va taper ta mouche? En fait, je crois que le mieux, c'est que je rassemble tout en premier. Attends, la chambre, nanana. Attends, elle était où déjà la buanderie? Ok, elle était en bas après la cuisine. Le massacre! Putain, c'est vraiment plus, c'est quoi ça? Mais t'as carrément des produits différents! Ok, j'ai refait la connerie. Hop. Mais ça sert à quoi? Et va se taire lui! Ah, mais attends, je suis en train de penser à un truc. Tout à l'heure. Bah attends, pourquoi les portes étaient fermées? À mon avis. Hein? Parce que ça me semble logique, le spray ça marche avec le briquet. Tu sais, vous faire les flammes pour brûler justement les verrues. Attends, merde. Pour ouvrir la porte? Non? Non. Oh, mais bordel! Qu'est-ce que j'ai raté? Mais j'aimerais bien pouvoir visiter la maison avant pour comprendre ce que je fais! Bon. J'ai réussi à la manette. Pas craquer, décontracté. Non, mais en vrai, je vais craquer. Oh, bordel. Allez, on réessaye. J'arrive pas à comprendre le mode VR alors, c'est une version light, rate un truc ou quoi? Non mais même, c'est forcément un bug, ça marche au début la pioche. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un bouton aussi en même temps que je fais le geste? Ça tombe, ouais, faut juste mettre en contact et appuyer sur un bouton, c'est ça que j'ai merdé en fait en VR. On va essayer le mode VR après. Ok, il y a un sécateur. Alors, est-ce que là je peux l'utiliser? Parce que tout à l'heure ça voulait pas fonctionner en VR.
with those, hein? Ouais, là en tout cas ça marche. Ouais, surtout que c'était pas logique en VR qu'il y avait un ordre. Ah mais le problème c'est qu'il bouge son pied, il râle mais il a pas de bouger son pied ce connard. Ouais ouais ouais, allez. Ah mais bordel, mais ça marche pas tous les coups en plus. Il faut assister. On se demande pourquoi ce jeu passe inaperçu. Ouais, j'arrive pas. Regarde, même comme ça je galère. Regarde, ça veut pas. Pourquoi t'essaies pas d'aller sur le pied? Ah bah voilà, ah bah voilà. Oh yeah, bah il est content. Attends, on y avait quoi déjà? Pièce là, ça on avait pris la sécateur ici. Tac tac tac, ici il y avait le sèche-cheveux, je sais pas quoi il sert à ce stade. Mais bon, on verra plus tard. Tac tac tac. Ouais, alors putain je suis en train de m'enlever. Vous vous souvenez que je déteste être en mode FPS? Bah voilà. Alors. Ouais, là je vois pas le rapport. Ouais, c'est pour ça qu'il va buter les mouches, hop. Ah, dans la cuisine que je rate, non. Alors toujours ce truc là, là-haut. Get this humongous fungus off of me. Ok. That's some industrial waste stuff. Ok, d'accord, donc ça c'est avec ça. Ok. C'est pas les mêmes accessoires en fait quand on est en VR et quand on est en machin. Quand on est en desktop. Ouais ouais, le temps 42 secondes, mais putain! Tu es le pire nettoyeur de pieds. De quoi, Kiki? Tu es le pire nettoyeur de pieds au monde. Les pieds, ça me dégoûte! Oui, c'est vrai. Mais putain, le mouche vénère! Mais gars, on traîne pas! Gars, il y a le foyer! Mais comment tu veux les avoir? Mais gars, ça! J'aime bien, c'est encore lui qui fait yeah! T'as vu ce qu'il tourne autour de ton pied, mec? Ouais. C'est sûr qu'avec moi, on laisse pas grand chose. En même temps, je fais preuve de la même dextérité qu'en vrai quand j'essaie de taper des mouches en vrai. Oh bordel! Mais non! Dégage, laisse-moi faire. Oh bordel! Now I gotta smash your house up. Them's the rules. Je rage. Attends, et t'as vraiment des mecs qui ont réussi à avancer, à finir le pied sur internet? Et y'a plusieurs pieds ou juste un? Non, seul. D'accord, en fait le jeu consiste juste à réussir à faire le pied qui est dans la pièce principale. Ouais. Oh putain, moi j'aurais pensé que ça aurait alterné quoi, qu'il y ait plusieurs niveaux de jeu quoi. Donc en fait c'est déjà compliqué en soi de réussir à le faire quoi. C'est juste un mini-jeu. Ouais, enfin... Le mini-jeu que tu n'arrives pas à terminer. Et voilà ce que j'allais dire, parce que bon, normalement par définition, jouer ça veut dire pouvoir perdre mais aussi gagner. Je vois pas comment je peux gagner. En fait, faudrait ramener tous les objets, les jeter à terre rapidement, éviter d'utiliser sur le pied, mais même non, j'y arrive pas. Tu vas y arriver. Essaye d'ailleurs. Alors, écoutez, je remets l'écran post-café, les mecs. Je réessaye encore un coup en VR, on y croit. On sait jamais, peut-être qu'il y avait un bouton, même si c'est pas normal. En plus du geste qui aurait fait que je l'utilise, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi ça serait comme ça, mais on va essayer quand même. Donc, je reviens tout de suite, écran post-café, je relance le mode VR. Ok, à tout de suite. La dernière salle, dernière tentative. Après, par contre, là, je rage quitte, hein, si ça continue. A tout de suite. Et post-café. Radio
ないでしょう。うん。Bon, pas craqué, décontracté, on y croit les mecs. Pouf, c'est reparti. Bon, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors, pied deux fois sur le côté droit, nanana. Bon, c'est pas ce qu'il y a de faire, en fait j'ai activé la caméra de mon quest qui permet de voir chez moi. Il faut taper deux fois sur le casque. Hop! Mmh. Oui, incroyable, hein? Mmh. Bon! Le pire, c'est que la zone est tellement plus limitée en VR, ça va être plus simple! Allez! C'est la bonne! Guess what? It's your day to clean me, get cracking! Alors, en premier, les mouches. Hop! Regardez, en plus ça, normalement, en VR, ça va mieux, quoi. Tu vois quand même les mouches, là, j'arrive à les attraper, plus ou moins. Ah, là, faut pas les malines. Oh, dégueulasse. Ok, ensuite. Hop. La pioche. Mais là, la pioche, elle va redéconner. Alors la pioche j'avais des problèmes avec. Ah bah attends, je vois plus le caca. Ah si, il est pas là le caca. Ah t'as vu, ça marche pas. Attends, voilà, putain, j'appuie en fait sur les trucs. Attends, il y avait un truc dans ici. C'était quoi déjà? Non, ça fait pas, c'est pas dans les mains peut-être. Prochaine, nanana, non. Hop. Non, ça veut pas. Attends, j'essaie avec les autres boutons. Non, ça fait que ça. Oh. En fait, j'ai que deux accessoires qui fonctionnent à chaque fois, à tous les coups, quand je suis en mode VR. C'est. Ben ça. Et là, t'as fait ta bouche. J'arrive pas à utiliser. Ouais, good job, mais pour le reste, mec, ça marche pas. Attends, on va retenter la pioche. Parce qu'à mon avis, c'est ça. Je pense que c'est très clair, quoi, la pioche pour normalement ça. Je sens la vibration. Attends, il n'y aurait pas un décalage dans le jeu que ça merde. Non. Et pour brûler les verrues, ben, les allumettes là-bas. Bon. Oh, la sécateur. Bon. Ok. Ah, c'est le vert chat du pied, codé avec les fesses. You're running out of time. Ouais, no time. Regarde, on est d'accord, normalement je brûle ça. On va retenter avec le caca, mais bon, le caca ça faisait pas comme ça tout à l'heure. Ah d'accord, il a le pied. Ah putain, à chaque fois je me trompe aussi de bouton. Nope. La pioche, on va reprendre la pioche. Attends, là j'essaie avec le bras gauche. Ouais, forcément le jeu fait pas non plus la différence, hein. Ça vibre, hein. Il y a vraiment un contact, il y a la collision. Merde. Quand je touche le pied, ça vibre. Je le sens.
Mais voilà, ça veut pas. Après, le premier truc jaune avec les allumettes. Bah oui, d'accord, Queen Divé, donc on est d'accord. Et t'as vu ça sur une vidéo YouTube aussi, alors ça marche pas avec moi. Bon bah écoutez, les mecs, je pense que vous avez compris, hein. Moi pour ma part, je vais arrêter là, ça veut pas. Ah, bon après il y a une mise à jour aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un bug sur cette mise à jour, que bon voilà quoi, après mes petites déboires sur certains chillouts VR au moment où ils étaient en train de faire une mutation de serveur, bah tant qu'à faire. Voilà quoi, bon. RIP. Ça m'énerve. Ah ouais, enfin non, là y'a rien que je peux faire hein, pour ranger tout ça, à part péter un plomb. Premier de la galerie. Le bouquet, on respawn pas. Je vais tomber par terre, non? Bon. Ok, bon bah écoutez les gars, là je vais arrêter pour ce soir. C'est un peu la merde. Bon, c'est comme ça. Hop. Après c'est vrai que j'ai commencé de façon un petit peu tard. On peut dire que le jeu est codé avec les pieds. C'est clair. C'est vrai que Verchat, j'arrête pas de dire codé avec le cul. Bah là on a un jeu codé avec les pieds. Ah, et maintenant c'est le son du jeu qu'on n'entend plus. On est d'accord? On t'entend toi, je t'entends pianoter, mais le son du jeu, je l'entends plus, il n'y a plus la musique. C'est le tu. Ok. Bon. Ben, écoutez, on va arrêter là. Donc, c'était Ashiwash. Un jeu aussi injouable en desktop qu'en VR. En VR, parce que ben, c'est mal codé, ça marche quand ça a envie. Ça fonctionne au début, c'est même pas question de devoir lancer le jeu, ça voulait pas non plus. Il y avait juste la tapette à mouche et le frangicide qui fonctionnait. Quant à quand on verse sur desktop, que ce soit la manette ou au clavier souris, là votre personnage, franchement c'est un savon, il part dans tous les sens, c'est pas gérable. Donc bon voilà, ça c'est encore un des gros délires qu'on trouve sur Steam. Voilà, il y a des mecs qui mettent des jeux comme ça pour une bouchée de pain sur internet et voilà, c'est ça le délire. Voilà, hop. Bonne nuit. Ok. Ah tiens. Ah bah oui, forcément. Attends. Je suis curieux. Si je vais là et que je passe ma tête, est-ce qu'on voit la pièce à côté? Non. Ok. Je voulais savoir. Bon. Voilà. Vous l'avez compris. Bah sur ce, je vais arrêter pour ce soir. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore fait le nécessaire, qui êtes sur le live ou sur son replay, si vous êtes sur Twitch, merci de suivre la chaîne. C'est le bouton violet représenté avec un cœur sous l'écran vidéo. Quant aux viewers de YouTube, je vous demande voilà, vous avez entendu Cutie, de vous abonner, de liker, ah zut, je peux pas pointer mon pouce avec les mains dans le jeu, ah c'est nul, non ça veut pas, je peux pas, oh, ouais, voilà, moi. Bon, le pouce bleu, alors, les deux pouces sont bleus, je parle de celui qui pointe vers le haut, pas vers le bas, celui qui est à gauche, pas celui qui est à droite. Voilà, et enfin, vous avez le bouton des notifications représentant également une cloche qui vous permettra d'être informé lorsque je publierai du nouveau contenu, que ce soit donc un autre live ou bien entendu une nouvelle vidéo montage. Voilà, sur ce, salut tout le monde et une bonne nuit. Lolalo. Salut, salut. Comment je quitte d'ailleurs le jeu comme ça? Parce que là, le jeu est en cours. Bon, on va forcer la fermeture de Steam. Enfin, par Steam. Voilà, hop là, quitter. Salut. Ouais. Allez, ciao. Mauvais moment. En effet, Lolalo, t'arrives au mauvais moment. Alors, bah, je t'explique, Lolalo. Hein. J'ai joué en desktop comme en VR et bah, ça veut pas. En fait, en desktop, le jeu, ben, t'as un savon, tu pars dans tous les sens, c'est totalement injouable. Quant à la version VR, ben, du bug, voilà. Donc, je suis parti. Sur ce, salut!